engendré. Et puis pour vous remercier aussi, bien sûr, d'être présent ce soir pour cette conférence. Et puis également, donc, vous dire hein, que cette conférence et puis que ces échanges, hein, ils s'inscrivent, on va dire, dans une politique globale hein, de l'Université Clermont-Auvergne, hein, qui a d'ailleurs été engagée hein, depuis la création de l'Université en 2017, qui est voilà, une politique hein, qui entend vraiment travailler hein, sur les problématiques d'égalité femmes-hommes. Hein, dès 2017, d'ailleurs, mis en place un comité égalité femmes-hommes, hein, composé d'ailleurs à la fois de représentants de personnel et bien sûr d'étudiantes et d'étudiants hein, pour au sein de ce comité, et voilà, qui, d'une part, hein, ce comité hein, qui engage un travail de fond hein, sur un certain nombre de sujets, hein, qui sont des sujets évidemment extrêmement variés, hein, évidemment, mais qui touchent à ces problématiques-là, hein, qui vont justement des problématiques de communication jusqu'à la problématique effectivement d'égalité d'accès à la fois, je dirais, au niveau des études, donc pour les étudiants, que ce soit en termes également d'accès aux différents corps et grades, hein, pour nos différentes catégories de personnel, hein, notamment produit dès 2018, hein, une version genrée justement hein, de notre bilan social, justement, qui va faire apparaître un certain nombre voilà, bien sûr, d'éléments, dire, hein, d'inégalités sur lesquels, bien sûr, qui imposent hein, d'avoir un certain nombre d'actions, hein, de définir un plan d'action. Donc voilà, donc une politique générale hein, de l'établissement hein, qui est conduite donc, dans l'ensemble des domaines hein, et à direction d'ailleurs des différentes composantes, on va dire, de notre communauté universitaire, hein, étudiants comme personnel, structure administrative, comme structure de formation, entité de recherche. Je crois que c'est vraiment une démarche globale. Et du coup, hein, cette démarche, elle est notamment portée à l'échelle de la gouvernance de l'université, donc, par une chargée de mission, hein, donc, Claire Berthelot, bien sûr impliqué hein, dans l'organisation de cette manifestation. Alors, simplement pour dire plus, de façon plus ponctuelle, on va dire, hein, dans quelle réflexion s'inscrit la conférence précisément de ce soir, hein, elle s'inscrit dans, je dirais, notre volonté hein, de définir hein, et de présenter auprès notamment des instances, hein, de l'Université Clermont-Auvergne, donc de présenter vraisemblablement dans les mois, dans le trimestre qui vient, justement un plan d'action effectivement sur tout ce qui relève de la communication non genrée, hein. C'est pas que la problématique du langage inclusif hein, qui est recouvert par ce terme, hein, justement parce qu'il nous semble hein, que évidemment une bonne partie des inégalités et discriminations, hein, évidemment, que l'on peut constater, s'inscrivent dans des schémas de représentation, des schémas mentaux, effectivement, hein, qui peuvent être d'ailleurs alimentés ou bien, justement, combattus hein, par la communication, y compris, bien sûr, la communication portée par l'institution. Hein, je pense que c'est bien sûr la responsabilité hein, d'une institution comme la nôtre, comme cette université, hein, que vraiment de prendre à bras-le-corps, on va dire, ce type de questions. Donc, voilà, donc des groupes de travail vont être très rapidement hein, mis en place, hein, justement, début janvier, justement pour définir un petit peu ces différentes actions, qui vont d'ailleurs notamment impliquer des membres du comité technique de l'université, ainsi que des membres du conseil d'administration, hein, d'autres, évidemment. Et donc, voilà, il nous a semblé que pour alimenter un petit peu, justement, les travaux de ces groupes, hein, promettent d'ailleurs d'être assez riches, voire animés, qu'il était quand même intéressant d'avoir voilà, un éclairage sur la problématique hein, du langage inclusif, qui est souvent voilà, une question qui cristallise, hein, peut-être que la conférence nous le dira, voilà, je dirais, des réactions voilà, les plus enfin, assez vives, hein, autour d'ailleurs parfois de, on va dire, d'éléments, enfin, de totem, hein, le totem répulsif, on va dire, hein, souvent, voilà, qu'on peut lier au langage inclusif, hein, type, voilà, des points médians, etc. Et je pense qu'il était important, voilà, qu'on puisse avoir, justement, un éclairage, hein, justement, qui permette
aussi de bien comprendre ce, là encore ce qu'on entend par, par la notion de langage inclusif, hein, pour voilà, éviter aussi les raccourcis et puis les vulgates qui sont souvent voilà, un petit peu voilà, propices hein, là aussi à des postures hein, qui n'ont pas lieu d'être. Et puis voilà, et puis ça permet, je pense que voilà, la conférence des échanges aujourd'hui voilà, permet aussi peut-être de voir un petit peu quels sont les divers leviers, les divers outils effectivement aussi qu'on peut, voilà, qu'on peut mobiliser hein, par rapport à l'objectif que nous avons. Voilà, donc définis, je laisse peut-être le micro pour présenter notre conférence et après nous avons très hâte de l'écouter, donc nous lui laissons la parole. Merci Mathias, merci Monsieur le Président. Donc, je vais faire très vite. Hein, c'est pour l'UCA un grand honneur de pouvoir accueillir Pascal Gidiax, qui est un chercheur en psychologie, comme vous pouvez le voir, psycholinguistique, psychologie sociale. Il est très reconnu dans le domaine de la psychologie. Il publie dans les meilleures revues, revues francophones et des revues anglo-saxonnes. Mais donc, tout ça sur ce thème, et entre autres, hein, peut-être d'autres choses, mais particulièrement sur le thème du langage inclusif et ses conséquences pour notre fonctionnement cognitif notamment. L'avantage d'avoir Pascal parmi nous ce soir, c'est que ça va donner un éclairage sur cette question qui donne souvent lieu à des débats idéologiques où chacun a un avis, mais un avis qui est propre, mais non éclairé par la science. Et là, Pascal va nous apporter, avec de nombreux éclairages, avec des recherches et des résultats empiriques, va pouvoir nous apporter un éclairage scientifique sur cette question du langage inclusif. Donc voilà, sans plus attendre, je lui donne la parole et encore merci Pascal. Merci. Je me permets d'enlever mon masque juste pour cette présentation. Je vais rester quand même très loin de vous si jamais, hein, sachez-le. Et je suis vacciné aussi, sachez-le. Bon, merci pour cette invitation, merci pour cette présentation. Alors, c'est vrai que c'est un sujet très spécial parce que j'ai encore rencontré personne qui n'a pas d'avis. C'est très drôle, les gens ont toujours un avis sur ce sujet, mais souvent un avis qui n'est pas très éclairé ou pas très documenté, mais quel que soit finalement son point de vue. Alors je sais qu'en France, et je me permets de dire ça parce que j'ai vu quand même que François Jolivet avait proposé 3 mois de prison et 5000 euros d'amende pour toute personne dans le service public qui utilise l'écriture inclusive. Alors il a enlevé les 3 mois de prison quand même. Ouf, c'est pour ça que je me permets d'enlever mon masque, j'ai un peu moins peur aujourd'hui, mais ça nous a quand même fait un petit peu sourire. On s'est dit, mais est-ce qu'on va commencer à faire une recherche dans la CAF comme ça, ou commencer nos cours en disant « chers étudiantes et étudiants » un peu. Mais bon, voilà, donc ça soulève quand même beaucoup de malentendus aussi. On l'a vu en France avec vos grands spécialistes du langage qui sont la famille Blanquer, par exemple, qui parfois émettent des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Alors aujourd'hui, je vais essayer de replacer le débat dans ce qu'il devrait être, et surtout, je vais essayer un petit peu de calmer le débat par rapport à une perspective scientifique. Alors avant de commencer de parler de ce qu'on entend par écriture inclusive, je vais d'abord vous donner quelques fondements qui sont indispensables pour pouvoir argumenter dans ce sujet. Alors le premier fondement, c'est la notion de genre. Alors le genre, c'est un construit social, c'est une construction, évidemment, c'est une construction qui est finalement relativement étonnante. C'est étonnant de la considérer comme quelque chose de binaire en fait, le genre. On le considère dans nos sociétés encore trop souvent comme quelque chose de binaire, mais le sexe aussi, c'est étonnant de le considérer comme une notion binaire. Et on n'est pas là pour discuter de ça, mais ce qui est important quand même de garder en tête dans la notion du terme inclusif, c'est la notion du genre, c'est qu'il y a des personnes qui se sentent ni femmes ni hommes, et des personnes qui parfois se sentent femmes, parfois hommes, il y a des personnes qui se sentent en dehors de cette dimension du genre. Et c'est intéressant de garder ça en tête quand on réfléchit à ce sujet, parce que finalement, ça amène à réfléchir à peut-être des formes de langage qui vont peut-être être plus inclusives par rapport à des populations qui ne s'identifient pas aux deux catégories qu'on a habituellement l'habitude d'exprimer. Alors gardez ça en tête pour la présentation. L'autre chose,
L'autre fondement que je trouve assez indispensable, c'est un fondement que j'attendais souvent à la fin de mes présentations pour donner comme ça un petit punchline à la fin, pour vraiment le truc un peu le suspense, toute la présentation, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont dire, puis à la fin, un suspense, puis vous rentrez complètement assommé chez vous. Et là, j'ai décidé de le dire tout de suite, comme ça, il n'y a pas de suspense par rapport à ça, c'est que nous vivons dans un monde qui est androcentré. Donc, androcentré, ça veut dire que notre société a été construite par des hommes, pour des hommes, et que l'homme a été mis au centre de notre société, et ça fait des siècles que c'est le cas. Si vous regardez les cours d'école, vous avez des spécialistes du genre et de l'école ici, si vous regardez les cours d'école, vous voyez qu'elles sont construites pour les garçons. Elles sont construites pour que les garçons puissent prendre de l'espace, puissent occuper l'espace, et les filles apprennent très vite à occuper la périphérie. Ça, c'est assez intéressant de le voir. On le voit également par rapport aux habits. Si vous regardez les habits, vous pensez à l'habit neutre, mais l'habit neutre n'existe pas. L'habit neutre, c'est l'habit masculin, c'est tout. On a placé le masculin de nouveau au centre du code vestimentaire. Donc par rapport à la place, vous pouvez essayer, hein, franchement, vous allez dans la rue, vous essayez, vous marchez comme ça dans la rue, et vous êtes une femme par exemple, vous avez un homme qui arrive en face de vous, et vous regardez qui c'est qui va s'enlever en fait, ça va être assez intéressant. Alors moi je le dis, hein, parce que j'ai reçu cette éducation, moi j'ai pas appris à m'enlever, moi j'ai appris à aller tout droit, vroom, comme ça. Et puis en fait, les autres personnes n'ont qu'à s'enlever. Regardez dans les séances, je mets ma main au feu, que dans les séances, la prise de parole, le temps de parole n'est pas respecté. Vous avez été dans ces séances où vous avez votre collègue, votre collègue homme qui parle, qui prend l'espace. Bon, voilà, je m'arrête là ici. La question est de se dire, mais pourquoi je parle d'androcentrisme? Simplement parce que le langage n'y a pas échappé. Donc le langage n'y a pas échappé, mais le langage le nourrit aussi. Vous êtes des véhicules d'androcentrisme. Alors je ne suis pas là pour vous vexer, moi aussi, hein. je parle comme vous la même langue en plus. Donc on est des véhicules d'androcentrisme, mais aujourd'hui je vais essayer de vous montrer ce concept d'androcentrisme au travers du langage, au travers de deux éléments principaux. On va parler de caractéristiques formelles de la langue, donc on va parler du genre grammatical, mais avant, je vais parler de ce que j'appelle les pratiques langagières. Alors les pratiques langagières, mes collègues linguistes m'en voudront, peut-être qu'il y a des collègues linguistes ici, je fais ici une distinction qui n'est pas du tout formelle, qui n'est pas du tout académique, je le fais simplement pour illustrer mon propos ici, puisqu'évidemment, le genre grammatical fait partie de nos pratiques langagières. Mais on va parler un petit peu d'autre chose avant de parler de ces caractéristiques formelles. Ok. Le dernier fondement, avant de commencer de parler de langage et de genre, c'est la notion, évidemment, du lien entre langage et pensée. Donc, les anthropologues du début du XXe siècle, Edward Sapir et Benjamin Liworth, si vous êtes étudiante et étudiant en psychologie ou en linguistique, vous les avez sûrement vus en anthropologie, Edward Sapir avait une idée très forte sur ce lien-là. Edward Sapir pensait que si une population, une ethnie parle une certaine langue, par exemple, qui n'utilise que deux mots pour les couleurs, ces personnes ne verraient que deux couleurs. Donc cette idée a été poursuivie plus tard également par des écrivains comme George Orwell. Dans 1984, le mot liberté n'existe pas, simplement pour que les gens ne puissent pas penser la liberté. Alors cette idée a été très très débattue le long du XXe siècle, tout au long du XXe siècle, et on sait maintenant que la couleur, alors, il y a des variants évidemment, puisqu'on voit que des personnes russes arrivent à déterminer des gradients de bleu plus facilement parce qu'en russe il existe deux mots pour ces gradients alors qu'ils n'existent pas en français. Mais de manière générale, cette idée déterministe était beaucoup trop forte. Maintenant, alors nous à Fribourg, on travaille sur une autre idée qui vient de Dan Scotin, et je vais vous montrer cette idée, je vais l'illustrer par une petite expérience qu'on a faite avec mon collègue Mira Pachowski. Alors, l'expérience est la suivante. On va dans la bibliothèque universitaire et on s'approche d'une table où une personne est en train de travailler et on lui dit, nous fêtons les 10 ans du département de psychologie, vous venez de gagner 2 euros. Ok, personne ne me regarde, qu'est-ce qu'il veut lui. Ok, ben on dit, bah, donnez 2 euros. Alors, c'est pas 2 euros, ici c'était 2 soutis, mais c'est une pièce de monnaie, et sur le bout de papier, c'est marqué, tiens, une pièce de 2 euros pour la moitié des personnes, ou c'est marqué, tiens, une petite pièce de 2 euros. Donc en fait, la seule différence ici, c'est que la pièce est collée sur un bout de papier, et sur le bout de papier, il y a ce petit ici qui n'est pas du tout en bleu, et c'est pour vous que vous voyez la différence. Et ce qu'on fait, c'est qu'on repasse quelques minutes plus tard, et on regarde à quel point les personnes sont contentes. Allant de 1, elles ne sont pas du tout contentes, à 9, elles sont très contentes. Regardez ce qui se passe ici, c'est que les personnes qui ont reçu la
pièce sont plus contentes que les personnes qui ont reçu la petite pièce. Alors maintenant, on peut discuter longtemps pour savoir pourquoi on n'aime pas les choses qui sont petites, pourquoi on préfère les choses qui sont grandes, pourquoi quand vous êtes dans un restaurant, vous recevez une assiette, vous faites pas grand chose dans une assiette quand même. Mais on peut en discuter, mais on n'est pas là pour ça. Ici, ce qui est important, c'est que le langage offre un nombre limité d'options pour parler d'un monde illimité. Et parce que le langage offre un nombre limité d'options, il va simplement attirer notre attention vers certaines propriétés, il va contraindre notre attention vers certaines propriétés du monde qui ne sont pas forcément pertinentes. Ici, que ce soit une pièce ou une petite pièce, ça reste toujours la même pièce. Donc, si vous devez retenir une seule chose pour avancer finalement dans le débat, retenez cet effet-là, c'est un effet qui est fort, c'est un effet attentionnel. Alors, sur ce que je vais vous présenter, cet effet va être tout le temps présent par rapport au genre et au langage. Ok, alors parlons maintenant de ce genre et langage. Je vais commencer donc par ces pratiques langagières, l'usage de la langue, que j'ai divisé en deux autres catégories qui sont absolument pas formelles, encore une fois, mais ça fait rien. En psychologie, on a l'habitude de faire ça, d'utiliser des termes sans proprement les définir, mais ça c'est l'histoire de la psychologie ici. Mais ici, ce que je vais utiliser, c'est, on va commencer par le contenu. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est le contenu ici, on va commencer par l'infantilisation des femmes au travers du langage. Donc, on est dans une société où on a tendance, au travers du langage, à infantiliser les femmes de deux à trois manières différentes. La première ici est illustrée par un titre dans un journal en Suisse, Le Temps, un titre il y a 2 ans, « Les filles de la Fed Cup et les hommes de la Coupe Davis ». Ça, c'est une des premières manières qu'on a d'infantiliser les femmes. La deuxième manière qu'on a d'infantiliser, c'est l'utilisation des prénoms. On l'a vu dans les débats, on parlait de Hier et Trump, on parlait de Sarkozy, et de Ségolène. Et évidemment, moi je mets ma main au feu, vous l'avez vécu dans des séances où tout à coup, on utilise le présent beaucoup plus facilement pour parler avec une femme qu'on utilise pour parler à un homme. Alors il y a un autre type d'infantilisation, évidemment, c'est mademoiselle. Et mademoiselle, je ne vais pas m'arrêter ici maintenant sur mademoiselle parce que mademoiselle me fascine. Et puis du coup, je vais en parler après, parce qu'après, je vais en parler pour autre chose. Mais mademoiselle me fascine beaucoup. Alors il y a encore... Cette infantilisation, c'est la première chose. L'autre chose aussi qui est assez importante, c'est l'utilisation d'associations lexicales, c'est-à-dire un vocabulaire particulier pour parler des femmes et un vocabulaire particulier pour parler des hommes. On a tendance à utiliser les mêmes mots, toujours les mêmes mots, pour parler des femmes et pour parler des hommes, pour parler des garçons et pour parler des filles. En fait, c'est un système qui est très simple, c'est un mécanisme très simple, c'est que vous-même, vous êtes exposé à des associations particulières, si je vous dis courageux, solide, etc. Et ces associations, vous allez vous-même les utiliser simplement parce que vous allez avoir plus de facilité pour les activer. Et comme vous les activez plus facilement, vous allez simplement exposer les personnes qui vous écoutent. Et comme les personnes qui vous écoutent, ça va leur permettre de l'activer plus facilement la prochaine fois, etc. etc. Alors, pour les journalistes avec qui je travaille, je leur dis toujours, essayez d'écrire un texte et sur une personne, par exemple. Et quand vous avez terminé le texte, changez le genre de la personne. Et regardez si votre texte sonne un petit peu bizarre. Si votre texte sonne bizarre, c'est que vous l'avez genré. Et ça, c'est assez intéressant. Alors c'est vrai qu'on utilise des associations particulières, et évidemment, dans les journaux, vous le voyez tout le temps, on parle aussi de choses différentes. Par exemple, récemment, il y avait une professeuse de français médiéval à Genève qui avait un article, une double page dans Le Temps. J'ai un peu l'impression que je parle du temps tout le temps, mais ça fait de Le Temps. Et puis, ce qui était intéressant, c'était qu'elle a une carrière assez impressionnante. Vraiment, elle a une carrière impressionnante en tant qu'historienne. Elle travaille sur le français médiéval. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de l'article, on nous annonce qu'elle a 3 enfants. Et on nous donne l'âge de ses enfants, blablabla. Alors, à part si ses enfants parlent français médiéval, ça n'a absolument aucune pertinence dans cet article. Pourtant, on le fait, et on ne le ferait pas si c'était un professeur de français médiéval. Et ça, c'est intéressant ici. Je termine ici ces sens des mots, pardon, je ne l'ai pas mis à l'écran, je termine sur les questions qui sont posées. Les questions qui sont posées aux femmes et aux hommes. Si ça vous intéresse, il y a une petite expérience qui a été faite par des journalistes, déjà aux Jeux Olympiques, des journalistes qui travaillent dans le monde du sport, et qui ont décidé de poser des questions à des hommes qui sont habituellement posées aux femmes. Et vous pouvez regarder sur YouTube, ça s'appelle covertheathlete.com, j'essaie de prendre mon meilleur exemple, covertheathlete.com,
Et c'est super intéressant. À un moment donné, il y a un journaliste qui dit à un basketteur, comme ça, il lui dit « Ouais, dis donc, aujourd'hui, ton t-shirt moulant comme ça, tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi ce t-shirt moulant ?» Ça, c'est... Puis le basketteur le regarde comme ça, il dit « Mais t'es con, mais pourquoi tu me poses cette question ?» Puis après, vous voyez la même question qui est posée à une femme, et puis la femme qui va répondre, parce que c'est une question qu'on pose habituellement aux femmes. Voilà, je m'arrête là sur ce que j'ai appelé ici le sens des mots et le contenu. C'est quelque chose d'assez difficile à modifier, surtout dans une société qui a tendance à suractiver certaines associations. On va parler maintenant d'un autre élément que je vais appeler l'ordre de mention, qui va rendre votre vie assez cauchemardesque, je pense. Vous allez m'en vouloir, probablement, mais je m'en fiche parce que je parle demain, donc c'est pas un problème. Mais ce qui est intéressant ici dans l'ordre de mention, c'est que quand vous mentionnez deux éléments, par exemple cette table et cette chaise, c'est vraiment, vous allez rarement parler de la chaise et de la table, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'ordre de mention dans le langage a un ordre, est un ordre sémantique, c'est-à-dire qu'il a du sens. Le sens habituellement est hiérarchique. Pour les objets, on parle de l'élément le plus grand en premier et le plus petit en deuxième. Maintenant, pour les êtres humains, il y a également une hiérarchie. Cette hiérarchie peut se voir de plusieurs manières. D'abord, l'âge. On parle de père et fils, de mère et fille. Donc on parle de la personne la plus âgée en premier. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le statut social aussi. Vous parlez des propriétaires et des locataires. On parle très rarement des locataires et des propriétaires. Or, pour nous, pourquoi ce soir c'est intéressant? Parce que quand on parle de femmes et d'hommes, et j'insiste sur l'ordre ici parce qu'il est inhabituel, on a tendance à utiliser un ordre toujours, pratiquement toujours le même, qui est les hommes et les femmes. Donc l'expression « les hommes et les femmes », vous allez le remarquer, hein, quand vous parlez des hommes et des femmes, essayez de parler des femmes et des hommes. Et vous verrez, ça va paraître un petit peu étrange, parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser cet ordre-là. Maintenant, on le voit dans d'autres exemples, ici. Par exemple, mari et femme. Moi j'adore, parce qu'une fois quelqu'un m'a dit dans une présentation, en voyant ces deux exemples, on dit « mais c'est normal, c'est l'ordre alphabétique ». D'accord, donc c'est pas l'ordre alphabétique, on est d'accord ici. Mais mari et femme, ce qui est assez intéressant dans mari et femme, c'est que le mari peut être un mari et un homme. Et le statut marital de la femme est confondu avec le terme qui va la décrire. Donc ça, c'est une autre asymétrie. Mais cette asymétrie, c'est laquelle me passionne, c'est qu'on a vraiment un problème avec le statut marital des femmes. Vraiment, clairement. Je vous mets au défi de me dire quand est le pendant de la Sainte Catherine pour les hommes. Donc la Sainte Catherine, c'est le moment où si vous êtes une femme et vous n'êtes pas mariée à 25 ans, vous devez aller vous ridiculiser, vous humilier dans la rue. Quel est le pendant pour les hommes? Eh bien, des célibataires, des hommes ont participé à la Sainte Catherine et ces hommes sont devenus les rois de la Sainte Catherine. Ce qui est assez intéressant. Et évidemment, le terme qui me fascine, c'est mademoiselle. Mademoiselle, parce que évidemment, mademoiselle est utilisée pour dire une petite dame, on l'utilise pour les filles qui sont en dessous de 16 ans, mais on l'utilise aussi pour dire qu'une femme qui n'est pas mariée. Vous voyez, la symbolique, elle est intéressante ici. Mais moi, mon père l'utilise encore, il me dit toujours « Ah, j'ai de la peine que je suis au bistrot, j'ai de la peine, évidemment. » Je lui dis « Écoute, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir à dire mademoiselle. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas plutôt utiliser le pendant masculin. » Quand il y aura un serveur, et ce soir, je vous invite à le faire, ce soir, vous allez au restaurant, vous allez au bar, il y a un homme qui est là, vous levez la main et vous dites « Damoiseau, j'aimerais une grande bière. » Et puis il va venir en disant « Mais pourquoi vous dites ça ? » ?»« Vous n'êtes pas marié, il n'y a pas d'alliance. » Mon damoiseau, j'aimerais une grande bière. Alors, j'aurais une petite bière, s'il vous plaît. Donc, voilà, vous voyez une autre asymétrie ici par rapport à ça. Et là, vous allez me dire maintenant, mais ça fait quoi cet ordre? Quel est le sens de cet ordre-là? Pourquoi on nomme les hommes en premier? Maintenant, réfléchissez aux couples que vous connaissez, les couples, que ce soit les couples hétérosexuels, homosexuels, lesbiens, c'est égal. Réfléchissez aux couples que vous connaissez, mais réfléchissez à votre manière de les nommer habituellement. Vous allez habituellement nommer toujours le même ordre. Et l'ordre va être déterminé par la première personne, c'est-à-dire celle qui vous est la plus proche, celle qui vous est la plus importante, celle que vous allez rencontrer en premier, celle que vous aimez le plus. Faites attention quand vous n'allez pas là vous amener. Mais de fait, vous voyez ici, dans cet ordre, vous vous rendez compte dans une société ce que ça veut dire de toujours nommer les mêmes personnes en premier. Alors, je termine par deux exemples. Le premier, c'est Adam et Ève, parce que j'adore Adam et Ève. Parce que Ève et Adam, vous essayerez de me dire hein, ce soir, Ève et Adam, ça fait un peu bizarre, c'est une sorte de gymnastique comme ça, Ève et Adam, tellement on n'a pas l'habitude de le dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les peintres qui peignent Adam et Ève et qui parlent des langues qui s'écrivent de gauche à droite ont tendance à peindre Adam à gauche, Ève à droite. Et les peintres qui parlent
par des bandes qui s'écrivent de droite à gauche, ont tendance à peindre Adam à droite et Ève à gauche. On voit qu'il y a également une hiérarchie qui est visuelle. Ce soir, on ne parlera pas de ça, mais peut-être qu'à la fin, si vous avez des questions, on en parle. Évidemment, je sais que depuis que j'ai commencé de parler de cette ordre de mention, vous êtes en train de réfléchir. Et vous dites, c'est pas vrai. Moi, je vais y montrer que c'est pas vrai. Alors oui, il y a Marie et Joseph, d'accord, c'est un homme Joseph. Ça, c'est un des exemples. Mais c'est intéressant aussi de se dire pourquoi Marie est nommée en premier. Mais on va parler du contre-exemple. Il y en a un. Il y en a un seul qui vient du 18e siècle. Et c'est le contre-exemple. Allez, ne dites-moi pas que vous n'êtes pas en train de chercher pour vous montrer qu'il y avait un contre-exemple. C'est... Mesdames et messieurs, de l'anglais « ladies and gentlemen » qui vient du XVIIIe siècle. Et là, vous vous dites, au XVIIIe siècle, on a voulu vraiment donner cette place importante aux femmes parce que c'était important au XVIIIe siècle. Ben, en fait, au XVIIIe siècle, les femmes n'ont pas de droit. Donc, pas de droit comme les enfants, d'ailleurs. Il n'y a que les hommes qui ont des droits. Donc non, c'est probablement pas ça. C'est probablement une des mêmes raisons, et là je prends les propos de Peter Rigarty, c'est un peu probablement la même raison qui fait que un homme ouvrirait une porte pour un peu signaler que sans lui, je ne pense pas que cette femme va réussir à ouvrir cette porte. C'est très très compliqué. Voilà, donc c'est un peu du sexisme bienveillant ou on pourrait appeler du paternalisme. C'est comme ça que cet ordre-là, c'est le seul d'ailleurs qui est venu, c'était mesdames et messieurs. Ok, je m'arrête maintenant sur cet ordre de mention parce que vous avez, votre vie va déjà être un cauchemar parce que vous avez remarqué cet ordre, à quel point on le fait et à quel point on l'a dans notre société. Dans plein d'exemples. Alors, parlons maintenant d'un autre des caractéristiques formelles de la langue, ici, et on va s'arrêter sur cette phrase ici. Le chercheur a demandé au spectateur de penser à Emmanuel Charpentier. Alors, ici, pour Emmanuel Charpentier, je vais bien donner cet exemple, je le donne toujours parce que j'aime bien faire un petit exercice. On fait un petit exercice, ça va aller très vite, mais un Suisse qui dit ça va aller très vite, ça va aller lentement pour vous sûrement, on va aller très vite. Donc, attention, vous allez me dire le plus rapidement possible, me nommer une femme scientifique, mais pas Marie Curie. Et bien maintenant, vous connaissez Emmanuel Charpentier, prix Nobel de chimie 2020, et comme ça, vous irez regarder qui est Emmanuel Charpentier. Bon, ici, on n'est pas là pour discuter d'Emmanuel Charpentier, mais l'exemple de la scientifique connue, c'est assez intéressant ici, hein, on pourrait faire la même chose pour les écrivaines, les écrivains, etc. Bon, ça demanderait probablement une autre présentation pour parler de ça. Ici, on va s'intéresser aux chercheurs et aux spectateurs. Alors pourquoi ? Maintenant, je vais vous donner cette perspective de psychologie. Pourquoi, pour des psychologues comme moi, cette forme ici, cette forme masculine, est passionnante ? Elle est passionnante. Pourquoi ? Parce qu'elle est ambiguë. Et les psychologues adorent l'ambiguïté. Alors elle est ambiguë parce que, ici, la forme masculine pourrait avoir, évidemment, vous le savez, un sens dit spécifique. Le sens spécifique ici, c'est que le chercheur, c'est un homme, les spectateurs sont tous des hommes. Cette interprétation-là est tout à fait possible. Il n'y a absolument rien dans cette phrase qui me dit que cette interprétation n'est pas possible. Donc ça, c'est la première interprétation. Ensuite, il y en a une autre qu'on appelle l'interprétation générique. Mais l'interprétation générique, elle est ambiguë aussi. Pourquoi elle est ambiguë ? Parce qu'elle peut vouloir dire mixte ou neutre. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur ce neutre. Parce que le neutre, moi, ça me fascine aussi. Qu'est-ce que ça veut dire le neutre ? Si, pour des psychologues, le neutre, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire quoi ? C'est une personne androgyne ? C'est une personne qui partage des traits masculins ou féminins ? Ou c'est une personne qui n'a pas de traits masculins ni de traits féminins ? En fait, faites l'exercice. Je vous dis maintenant, imaginez dans votre tête, imaginez une personne neutre. Franchement, moi je trouverais ça intéressant. Ce soir, quand vous aurez vu petite bière qui vous est servie par mon damoiseau, vous dessinez sur un bout de papier une personne neutre, vous la montrez à la personne à côté de vous et vous lui dites le plus rapidement possible de dire est-ce que c'est une femme ou un homme. Et vous regardez ce qui va se passer. La personne va vous dire un homme. C'est assez intéressant de le faire. On peut se poser la question pourquoi, mais juste, ça veut dire quoi neutre? Et ça, c'est intéressant en termes de psychologie. On verra qu'il y a une autre possibilité par rapport à ce neutre, qui est plutôt de psychologie cognitive, et vous verrez après pourquoi ça ne va être pas le cas. Mais on en reparlera après. Donc l'autre sens qui est possible, qui est probablement plutôt le sens pour le pluriel, c'est le sens mixte. Mais mixte,
c'est ambigu, parce que ça peut être ici chez les spectateurs, ça peut être un homme, 50 femmes, une femme, 50 hommes, un homme, une femme, 50 personnes non binaires, ça peut être un homme, des personnes neutres, en fait, c'est aussi ambigu. Alors, pour faciliter la discussion, on va dire c'est 50-50, on va dire, on va l'utiliser même de manière binaire, c'est 50-50 en termes de femmes et d'hommes. Mais ce qui est important ici, c'est que à chaque fois que votre cerveau rencontre un masculin, votre cerveau doit décider de quel sens il s'agit parmi ces multiples sens que votre cerveau va le faire. On aurait pu imaginer que finalement le cerveau laisse ça vide. Vous l'avez remarqué, hein, quand vous lisez le chercheur à demander au spectateur, on le sent tout de suite, en tout cas on le sent, c'est que le cerveau va prendre une décision. Pourquoi il prend une décision? C'est simplement parce que notre cerveau n'aime pas l'ambiguïté, il n'aime pas du tout. Donc vous regardez un nuage suffisamment longtemps dans le ciel, vous allez y voir apparaître une forme. Vous allez voir la Vierge Marie en train de pleurer, par exemple. Ou pas, peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, je ne sais pas. Mais de fait, vous allez voir quelque chose. Parce que votre cerveau va attribuer un sens. Votre cerveau n'aime pas laisser vide. Donc on aurait pu imaginer que le neutre c'était vide, mais ça va être un petit peu difficile de penser ça. Donc maintenant on va se poser la question, comment empiriquement on teste quelle est finalement la valeur prioritaire que le cerveau va activer chaque fois qu'il voit un masculin. Avant de faire ça, on va passer quand même un petit peu, on va faire un petit peu d'histoire du français. Alors ce qui est important, c'est que le français a vécu des vagues de masculinisation. Donc il y a une période avant le 13e, 13e, 14e, on dit ça pleut. Et ça change en il pleut. On dit si vous donnez quelque chose à une femme, vous dites je la donne une assiette. Je ne sais jamais quelle fois. Je la donne une assiette. Après on dit non, je lui donne une assiette. Bon, mais ce n'est pas cette vague de masculinisation qui va nous intéresser. La vague qui nous intéresse, nous, c'est la vague du XVIIe siècle. Alors pourquoi cette vague nous intéresse particulièrement, les psychologues? Parce que jusqu'au XVIIe, des termes comme une autrice, une mairesse, une philosophesse, une compositrice, une professeuse, une poétesse, sont des termes qui existent. Alors, c'est quand même plus difficile, évidemment, d'exercer ces professions pour des femmes. Ça fait quand même au XVIIe, ça fait presque deux siècles que les femmes n'ont pas accès à l'éducation supérieure ou même à l'éducation tout court. Mais de fait, ces termes existent. Et le terme qui a posé probablement le plus de problèmes, c'est ce terme d'autrice, parce que des femmes commencent à être lues et reconnues au XVIIe et ça embête. L'Académie française, dans sa première version du dictionnaire, décide de retirer ces termes, de retirer. C'est pas du tout une théorie du complot, c'est pas du tout genre, on n'a pas de données là-dessus. Vous pouvez trouver sur Google cette information. L'Académie simplement veut dire à ces femmes que ces métiers et ces activités sont réservés aux hommes. Boulangère a toujours été dans le dictionnaire. D'accord ? Boulangère n'a jamais quitté le dictionnaire. Donc ça, c'est important. En même temps, il y a des réformes grammaticales, normatives, qui se font, qui s'opèrent par certains grammairiens. Pas tous les grammairiens sont d'accord, d'ailleurs, à cette époque. Mais par exemple, jusqu'au XVIIe, il y a plusieurs règles d'accord qui cohabitent. Par exemple, la règle de l'accord en nombre. Si vous dites ces 1000 femmes et un homme se sont promenées, c'est l'UES, parce qu'il y a plus de femmes. Donc il y a d'autres accords qui cohabitent, il y a l'accord au masculin, évidemment, il y a l'accord de choix, on choisit à quoi on veut accorder le parti passé, il y a l'accord aussi de Molière, ou des imprimeurs de Molière, on n'accorde pas du tout, mais il y a aussi l'accord de proximité. L'accord de proximité, c'est l'accord où vous accordez au plus proche. Donc ces femmes, ce vase et cette tasse sont cassées. C'est cassé les US. L'accord de proximité, ce qui est intéressant, c'est qu'il disparaît à ce moment-là. Donc les grammairiens décident d'utiliser l'accord masculin. Encore une fois, vous retrouvez aussi des citations, peut-être pas tous les grammairiens ont ça, mais on retrouve vraiment cette envie d'asseoir simplement la supériorité des hommes sur les femmes, mais dans le langage aussi. Et ça, c'est important. Nicolas Bouzé le dit, hein, au 18e, il dit... Le masculin doit l'emporter sur le féminin parce que le mâle est plus noble que la femelle. Donc ça, c'est important de le voir ici. Mais l'accord de proximité, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'a jamais disparu. Il est dans le bon usage de Maurice Gravis et encore dans celui avec son beau-fils. Mais si je vous dis maintenant, je vous dis d'accorder certains avec table et chaise. Vous allez me dire certaines table et chaise. Ok, l'accord au féminin. Maintenant, je vous dis région et département. Comment vous me le dites? Région et département, avec certains. Essayez de mettre au masculin. C'est pas possible. Vous dites certaines régions et départements. Cet accord n'a jamais disparu et il est très naturel d'ailleurs
encore maintenant. Et ce région et département, ce qui est intéressant, c'est que si vous dites certaines régions et départements, personne ne vous dit rien, personne ne le remarque. En fait. Si vous dites certaines étudiantes et étudiants, là, vous mettez toute la langue terrible. Vous êtes en train de tuer quelque chose, de pousser grand-mère dans les orties, je ne sais pas. Mais voilà, de fait, c'est assez intéressant aussi. Maintenant, juste pour terminer ma petite partie historique, j'aimerais juste vous montrer une caricature d'Honoré Daumier du 19e, qui fait une caricature d'une femme écrivaine, donc une écrivaine, et de voir comment on percevait les femmes à cette époque-là. Alors, regardez ici, on voit ici une écrivaine, et qu'est-ce qui va se passer si même les femmes commencent à écrire? Regardez, on voit cet enfant sourd, on voit ce bordel de l'appartement, et c'est là qu'on comprend un petit peu quel est le rôle finalement qui était attribué au 19e. Là, on est en 2021, et j'aimerais tellement vous dire, ah, ça a beaucoup changé. Évidemment, non, ça n'a pas changé quand on voit les dernières décisions sur le congé paternité ou les derniers débats sur le congé paternité, on est toujours là. On aurait donné, il pourrait la présenter encore maintenant dans le journal de cette caricature. Bon, là non plus, on n'est pas là pour discuter du congé paternité. Il nous faudrait encore une fois une autre séance pour parler de ça. Juste, comme on approche de Noël, je me permets quand même de vous donner ici, avec une superbe animation, des livres qui pourraient vous intéresser. Eliane Viennot, qui était venue ici d'ailleurs, qui a écrit Non, le masculin n'emporte pas sur le féminin, qui retrace cette histoire, ces vagues de masculinisation. Elle vient de sortir un livre maintenant qui s'appelle, que j'adore ce titre, En finir avec l'homme. Donc elle, là ici, elle réexplique l'histoire des droits de l'homme. Les droits de l'homme, l'homme n'était pas voulu comme générique, évidemment, il était voulu que pour les hommes, puisque les femmes n'ont pas de droits à ce moment-là. Maria Kander, elle a lié à Véron le livre Le français est à nous, une réédition qui est géniale, vraiment superbe, si l'évolution du français vous intéresse. Évidemment, là, Elia Véron a maintenant une chronique sur France Inter qui est absolument géniale. Et Christophe Benzitou, qui veut la peau du français, si justement l'évolution du français vous intéresse. Et un questionnement ici sur la distance de plus en plus grande entre l'écrit et l'oral. Et il y a des questions qui se posent ici. Si vous n'avez pas le temps de lire ces livres, bah, vous pouvez les offrir, c'est sûr. Mais je vous invite aussi à écouter le TED Talk d'Arnaud et de Jérôme Piron sur la faute d'orthographe, qui explique assez, de manière assez ludique, c'est 17 minutes, qui explique de manière assez ludique comment le français a vécu des évolutions complètement arbitraires, des changements orthographiques complètement arbitraires et illogiques d'ailleurs, qui font que le français a été voulu comme un outil finalement politique pour de complexité. Ça, c'est assez intéressant. Si vous regardez le TED Talk, puis ensuite vous allez lire un des derniers chapitres de Elia Véron et Maria Kander, qui est écrit en français logique. Vraiment, c'est assez intéressant. C'est un peu déstabilisant au départ, mais c'est très, très intéressant. Je m'arrête là. Revenons à la psychologie maintenant. Et je vais maintenant me demander, mais comment on apprend ces règles d'interprétation du masculin? C'est important de voir comment, en tant qu'enfant, on apprend ces règles-là. Alors, la règle de l'interprétation du masculin, de la règle grammaticale, on l'apprend de cette manière. Que vous soyez en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, c'est la même chose. On apprend toujours de la même manière. Si vous parlez d'être inanimé, le genre grammatical est aléatoire. D'accord ? Vous n'avez aucune chance de le dériver de manière logique. Donc, pour des personnes anglophones, c'est l'enfer. Ma mère, qui a vécu quand même 40 ans en Suisse, qui nous disait toujours « venez à l'étable », maintenant on arrête de cracher ça. En plus, vous arrivez en Suisse, vous avez le soleil, en allemand, « disonné » qui est féminin, donc c'est un peu un cauchemar. Alors, il y a des termes qui ont changé, poison a changé par exemple. C'était une poison, ça devient un poison. Il y a des termes, on ne sait toujours pas, par exemple, quand vous dites, vous écrivez des emails, bon après-midi, bonne nuit, en fait, c'est les deux, vous mettez les deux. Mais voilà. Tout ça pour dire quand même qu'il y a un côté arbitraire à ce genre grammatical. Par contre, on vous dit que si vous parlez d'être animé, le genre grammatical n'est pas aléatoire. Si vous parlez d'un homme ou d'un garçon, vous utilisez le masculin. Si vous parlez d'une fille ou d'une femme, vous utilisez le féminin. Pour une fille, cet apprentissage se fait encore de manière beaucoup plus prononcée, évidemment, puisqu'à une fille, vous lui parlez le féminin. Vous dites donc, toi, t'es courageuse. Vous ne dites pas, dis donc, toi, t'es courageux. Donc cette fille va assimiler cette règle de manière plus forte que pour les garçons. On pourra en parler par rapport à ça, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on apprend. Dans le livre de Fribourg, le livre de grammaire de Fribourg que j'avais vu il y a quelques années, l'exemple était, si vous parlez d'une fille ou d'une femme, vous utilisez le féminin, comme par exemple une actrice. Si vous parlez d'un homme ou d'un garçon, vous utilisez le masculin, comme par exemple
indirectement. C'est intéressant, on rajoute une petite couche de stéréotype dans les livres de grammaire, et ça, vous le savez, vous l'avez vécu, les livres n'ont toujours pas changé par rapport à ça. Les exemples qui sont utilisés sont encore incroyablement stéréotypés. Ok, plus tard, c'est seulement plus tard, donc ça c'est vers 4 ans, plus tard, formellement, et je dis bien, c'est explicitement, les enfants apprennent cette règle implicitement bien avant. Mais explicitement, c'est à ce moment-là qu'on apprend la règle. Et c'est seulement plus tard qu'on apprend la règle de l'interprétation générique et on l'apprend dans sa version mixte. Et on l'apprend de cette manière. Si vous parlez d'un groupe d'hommes ou de garçons, vous utilisez le masculin. Si vous parlez d'un groupe de femmes et de filles, vous utilisez le féminin. Okay. Et là, il se passe un truc incroyable dans votre éducation, mais un truc de folie. Ça vous souffle, c'est un truc. J'espère que vous l'avez senti là, c'est une folie. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai fait une transition vraiment incroyable qui m'a pris des heures et des heures, et vous allez être complètement halluciné des moyens qu'on met à Fribourg dans nos présentations. Attention, je m'enlève parce que tellement c'est. Attention, ça va aller très vite, encore une fois, même si c'est un Suisse qui vous dit ça, regardez quand même. Attention. Et bim, paf, vous avez vu ça, tac, bim, tout change au masculin. Bon, je caricature un peu, mais quand même, c'est assez intéressant. Il suffit d'un garçon ou d'un homme pour que tout le groupe bascule au masculin. Et la règle, le masculin l'emporte. Et ça, c'est intéressant. Il y a un collectif d'enseignantes et d'enseignants ici en France qui refusent d'enseigner ça aux enfants et qui a décidé, le collectif a signé une charte pour dire on n'enseignera plus cette règle du masculin qui l'emporte, donc juste la symbolique ici qui l'emporte, et qui enseigne l'accord de proximité aux enfants. Bon, maintenant, allons regarder comment nous on teste ça, comment on a testé ça, pour savoir quel était finalement le sens qui allait être prioritaire, en tout cas spontané, dans notre interprétation du masculin. En psychologie, ce qu'on fait, alors c'est une des premières expériences qu'on a faites, on présente des phrases comme celle-ci, oh, j'ai laissé l'allemand parce qu'on a aussi présenté en allemand, les musiciens sortirent de la cafétéria, à cause du temps nuageux, une des femmes avait un parapluie. Nous, ce qui nous intéresse en psychologie, c'est la facilité avec laquelle vous traitez cette deuxième phrase, par rapport à la première, qui est un élément masculin. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses en psychologie avec cette deuxième phrase. On peut faire, par exemple, on peut mesurer l'activité électrique de votre cerveau en lisant cette deuxième phrase. Par exemple, si je vous dis, j'étale de la confiture sur ma tartine avec ma chaussette, au moment où chaussette arrive, il y a un pic électrique qui s'appelle la N400 et on peut voir la surprise. Alors ici, on pourrait tester ça. À Fribourg, on ne le fait pas parce que nous, on met tous nos moyens dans nos présentations, donc on n'a plus moyen pour acheter ces techniques-là. Donc ici, dans cette expérience, ce que nous, on fait, c'est qu'on demande simplement aux gens est-ce que cette deuxième phrase est une suite possible de celle qui précède. Donc la réponse ici, en tout cas grammaticalement, est toujours oui. On a des pairs avec des métiers stéréotypés masculins, des sens stéréotypes et des métiers stéréotypés féminins. Et dans la deuxième phrase, on a soit un homme, soit une femme qui est mentionnée par rapport au groupe. Ok. Donc, je vais vous montrer les résultats en français, et pas en allemand, mais parce que les résultats sont les mêmes, mais en français et en anglais, parce que l'anglais, c'est notre langue contrôle, parce que l'anglais, sur ce mot-là, sur le thème, n'a pas de genre grammatical, n'a pas de masculin. Maintenant, dans nos pairs, il y a des pairs où la réponse est non. Par exemple, si je vous parle de roi, ou je vous parle de prêtre, ou de nonne, ben là, par définition, le genre est défini simplement par le terme, c'est lexical. Moi, je vais vous montrer les résultats des pairs où la réponse devrait, en tout cas grammaticalement, être oui en anglais et en français. Regardez ce qui se passe ici en anglais. Nous avons le pourcentage de oui ici, de 0 à 100, des stéréotypes féminins, des stéréotypes masculins comme stéréotypes féminins comme nurses, stéréotypes masculins comme mechanics, des termes sans stéréotypes comme musicians. Vous avez en violet une des femmes ou un des hommes. Regardez ce qui se passe pour dire oui, c'est une suite possible. En anglais, ce qu'on voit, c'est que les personnes interrogées ont plus de peine à dire oui lorsque la personne dans la deuxième phrase ne correspond pas au stéréotype du mot qui est présenté dans la première. Donc les gens ont plus de peine à lier nurse avec des hommes ou mechanics avec des femmes. Quand il n'y a pas de stéréotype, on a le nombre de réponses positives, c'est le même. Ok. Regardez ce qui se passe maintenant en français. Vous avez le même graphique ici, stéréotype féminin, masculin, sans stéréotype.
Regardez ce qui se passe. Je veux bien mettre un petit moment de suspense, je pense que c'est un peu comme une enquête, comme ça. Alors, regardez ce qui se passe, quel que soit le stéréotype, les gens ont toujours plus de peine à dire oui lorsque c'est une femme dans la deuxième phrase. Alors, je vous promets, pour moi, ce résultat, au départ, était surprenant. D'ailleurs, on avait plusieurs hypothèses dans l'équipe qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. On n'était pas toujours d'accord par rapport à ce qu'on attendait, mais ce résultat a été très, très étonnant, vraiment. Pourquoi il est étonnant? C'est qu'à l'heure actuelle, on a à peu près 50 ans de recherche avec des paradigmes qui ressemblent à ça, que ce soit en anglais, dans d'autres langues, en Europe aussi, qui ont un genre grammatical. Il n'y a pas de controverse sur ce sujet, sur cet effet-là. C'est plus difficile de lier un masculin avec une femme. Et il n'y a vraiment pas de controverse. Je vous promets, je travaille sur la compréhension du connecteur, à cause, etc. Parce que je ne sais pas tout ça le faire. Mais de fait, là, il y a de la controverse. Des fois, selon les théories, etc. Mais par contre, je n'ai jamais reçu d'insultes par rapport à ça. Par contre, là, il n'y a aucune controverse. Et là, par contre, on reçoit des insultes quand on publie nos travaux. Bon, tout ça pour dire. Nous, la question qui s'est posée, évidemment, c'est de dire, mais est-ce qu'on peut pousser des gens à comprendre le masculin dans sa valeur générique, en tout cas dans une de ses valeurs génériques, dans un de ses sens génériques? Est-ce qu'on peut les pousser? Et en psychologie, on fait beaucoup de choses pour pousser les gens, vous le savez. Alors, on n'a pas pu, donner des chocs électriques, ça, on n'a pas pu faire. Si on avait été dans les années 70-80, peut-être on aurait pu le faire, mais là, on n'a pas pu le faire. Bon, c'est juste, hein, c'est normal qu'on ne puisse pas le faire. Mais une des manips qu'on a essayé de faire, une des expériences, c'est qu'en fait, on présente des pères comme celle-ci, une sœur musicien, un frère musicien, il y a 400 pères ici, avec une personne qui est représentée par le premier thème, et on demande aux gens, est-ce que cette personne peut faire partie du groupe représenté par le deuxième? Donc ça veut dire, est-ce qu'une sœur peut faire partie d'un groupe de musiciens? Est-ce qu'un frère peut faire partie d'un groupe de musiciens, etc. Il y a 400 pères avec des stéréotypes différents, avec des termes qui représentent des femmes et des hommes différents. On arrête l'expérience au milieu et on rappelle la règle de l'interprétation générique. Alors je vous promets, c'est un petit peu bizarre de le faire quand vous testez des gens, parce que vous arrêtez des universitaires et vous leur dites, vous connaissez la règle de l'interprétation générique du masculin, et les gens vous disent, bah ouais, évidemment, bah, continuez l'expérience avec cette règle en tête. Et on recommence l'expérience avec des nouvelles paires, mais le principe est le même. Alors, ici, regardez, je vais vous montrer les résultats par rapport au pourcentage de oui sans rappel, avec rappel. Je ne mets pas les effets de stéréotypes parce qu'il n'y en a pas dans cette expérience, mais regardez ce qui se passe ici avec une femme dans le groupe ou un homme dans le groupe. Sans rappel, les gens ont toujours plus de peine à dire oui quand c'est une femme qui fait partie du groupe. On le sait, on le savait, cet effet, quel que soit votre paradigme que vous utilisez, cet effet on le retrouve, donc on s'y attendait. Dans la deuxième partie de l'expérience, regardez ici, tout à coup le nombre de oui augmente pour des femmes qui font partie du groupe. Donc là, on pourrait se dire, on va bien rappeler la règle de l'interprétation générique. Par contre, on a un problème par rapport à ce résultat, et ce problème, je vais l'illustrer par une petite expérience. Imaginez, je vous montre des carrés de couleurs. Je vous montre un carré vert, et je vous demande simplement de me dire quelle est la couleur du carré. Je vous montre un carré vert, vous me dites vert, un carré rouge, rouge, un carré jaune, jaune. Ok, au milieu de l'expérience, j'arrête. Et je vous dis, vous me donnez la couleur du carré, sauf quand il est rouge. Quand il est rouge, vous me dites vert. Pour les autres couleurs, vous me dites la même chose. Okay. Bleu, bleu, jaune, jaune, rouge, vert. Okay. Maintenant, vous m'avez dit vert, alors que c'est un carré rouge. Est-ce que ça veut dire que ce carré, maintenant, vous l'avez vu vert? Ou bien, vous l'avez toujours vu rouge? Et en fait, on peut regarder ça en psychologie en allant regarder le temps de réponse. Combien une personne met pour répondre oui, cette personne peut faire partie du groupe. Plus le temps est long, le temps en psychologie, on l'utilise depuis la fin du 19e, depuis Donders, mais ce qui est intéressant, c'est que le temps va nous indiquer la facilité avec laquelle une personne va donner une réponse. Et regardez ce qui se passe ici, on a la vitesse de réponse en millisecondes, en psychologie, on aime bien en psychologie cognitive, on aime bien utiliser les millisecondes, ça m'a toujours fait un peu sourire, parce que ça donne l'impression qu'on est un peu plus technique comme ça. Mais bon, 1000 millisecondes, ce qu'il faut bien sûr une seconde, avec une femme qui fait partie du groupe, un homme, sans rappel. Regardez ce qui se passe dans la première partie pour dire oui. Ici, c'est pour dire oui, toujours pour dire oui. Donc ici, on voit que même quand les gens disent moins souvent oui, quand les gens disent oui, c'est plus longtemps. Donc les gens ont plus de peine à dire oui. Regardez dans la deuxième partie, cette fois, en rappelant la règle de l'interprétation générique, on a le même effet.
Alors évidemment, les gens sont un peu plus rapides parce que c'est la deuxième partie de l'expérience, mais cette pente-là, je vous promets, on a tout essayé, vraiment, tout essayé. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres choses. On n'a pas essayé, encore une fois, les chocs électriques, mais on a essayé énormément de choses pour essayer de réduire cette pente. Impossible. Et nous, on a un modèle cognitif pour expliquer ça, qui est à la base d'un mécanisme qui n'est pas si compliqué à comprendre, c'est un mécanisme de résonance, c'est-à-dire le masculin est envoyé dans notre système et notre système va renvoyer une valeur spontanément. Vous ne pouvez rien faire par rapport à ça, cette valeur viendra toujours. Et masculin égale homme vient tout le temps. Donc c'est une des raisons, on peut l'expliquer hein, pourquoi c'est le cas, probablement parce que c'est ce qu'on apprend en premier, probablement c'est ce qu'on utilise plus souvent et surtout, probablement, c'est que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple d'activer ça par rapport à tous les autres sens qui sont disponibles. Ok, je termine un petit peu juste par quelques applications, les implications qu'on traite, nous, à l'Université de Fribourg. Donc la première chose quand même à dire, c'est que le genre est tout le temps activé. Ça, c'est important. Le genre est tout le temps activé. On ne sait pas très bien pourquoi, dans notre société, on active tout le temps le genre. Mais on le fait. On le fait tout le temps. Donc le genre est activé de manière automatique, donc vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Lorsqu'il y a un genre grammatical et que le masculin a cette valeur par défaut, homme est activé de manière passive. Donc vous ne pouvez rien faire. Ça prend à peu près 200 millisecondes pour être activé et vous ne pouvez pas du tout le contrôler, c'est pas possible, même si vraiment vous le souhaitez, même si vraiment dans votre cœur vous le souhaitez, vous ne pouvez pas. Ça va trop vite et surtout, probablement que ça a beaucoup trop de vie pour pouvoir le contrôler. Femme peut être activée ou, j'ai envie de dire, ou toute autre personne qui ne s'identifie pas, en tout cas à la catégorie homme, mais de manière beaucoup plus difficile et surtout sans jamais supplanter la première activation qui, elle, est spontanée. Quand il n'y a pas le genre grammatical, comme en finnois par exemple, ben c'est les stéréotypes. Donc les stéréotypes qui font partie aussi d'une contrainte de société, qui font partie également de l'androcentrisme, parce que dans les stéréotypes, évidemment, on a tendance à valoriser plutôt les stéréotypes masculins que les stéréotypes féminins, etc., etc. Donc on est un petit peu dans la peste et le choléra ici. Donc dans la peste, c'est cette vision androcentrée du monde, ce prisme masculin, et le choléra, c'est la vision stéréotypée du monde. Donc ça, c'est important de garder en tête ici qu'on a ces deux visions, finalement, qui s'entrechoquent, et d'ailleurs, chez les enfants, cette vision, selon l'âge et selon le moment de leur vie, c'est vraiment deux visions qui s'entrechoquent. C'est vraiment, on le voit dans nos données, selon les mesures, selon ce qu'on teste, on a parfois des effets plutôt de langage et parfois on a des effets de stéréotypes ou, comme cette étude avec Dries Verwecker, mon collègue belge, on a des effets où les deux sont, on voit les deux, en fait, on voit les stéréotypes, mais on voit aussi les effets de le langage. Dans cette étude, par exemple, on présentait à des jeunes entre 14 et 17 ans des métiers soit co-masculins, soit au féminin et masculin, en mettant le féminin en premier. Et ce qu'on remarque, c'est que sur les métiers stéréotypés masculins et les stéréotypés sans stéréotypes, on a une augmentation de visibilité. On demande aux enfants de nous dire, à ton avis, qu'il y a plus de chances de réussir dans ces métiers. Et les enfants voient plus de chances de réussir après pour les femmes. Donc on augmente les chances de réussir pour les femmes dans la perception. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les métiers stéréotypés féminins, au masculin, les enfants voient quand même plus de chances de réussite pour les femmes. Puis quand on est au féminin et masculin, les enfants voient plus de chances, augmentent les chances de perception de réussite pour les hommes aussi. En fait, c'est comme si le doublet, l'utilisation du féminin et du masculin avait tendance à réduire les stéréotypes et pour les métiers stéréotypés, à augmenter la visibilité des femmes. Donc on travaille beaucoup sur cette visibilité. Maintenant, on travaille sur les aspirations professionnelles. Là, on a une mesure qui teste si les enfants se voient dans le métier et comment les enfants se voient par rapport au métier. Par exemple, on a une question, est-ce que tu penses que si tu fais ce métier-là, les gens autour de toi vont vraiment t'apprécier? Et là, c'est assez drôle parce que les filles, les résultats de la semaine passée, donc on vient d'analyser les premières données et c'est intéressant parce que dans les premières données, on voit que les filles ont tendance à penser qu'elles seront plus appréciées si elles font un métier féminin, ensuite un peu moins pour un métier sans stéréotype, puis encore moins quand c'est un métier masculin. Les garçons, par contre, pensent qu'ils seront appréciés pour tous les métiers. C'est intéressant, ça. En termes d'androcentrisme. L'androcentrisme, on avait un sur l'éducation ici, sur les filles et les garçons. Alors, c'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé sur la visibilité des femmes dans la société. On a maintenant de plus en plus de projets sur la non-binarité aussi. C'est intéressant. On a beaucoup travaillé sur la visibilité des femmes. Et on a également lié à l'identité sociale avec ma collègue Uta Gabriel. Donc l'idée ici est simple, c'est de dire à une fille, le métier d'informaticienne est génial,
vous n'avez pas besoin d'avoir fait 15 ans de recherche avec nous pour vous dire que ça va être différent que si vous dites le métier d'informaticien est génial. Cette fille va probablement se projeter différemment dans ce métier. Et je termine par une petite, quand même, en pratique ici, ce qui est important, c'est que j'avais tendance à dire à la fin de mes présentations, et les fins, dans nos articles aussi, on avait tendance à faire ça, ce qui n'est pas tout à fait correct, c'est de dire il faut changer de pratique. On avait un peu, il faut changer de pratique, allons-y, maintenant. Mais en fait, je n'ai pas à vous dire ça. Moi, je suis psychologue, je travaille dans une équipe sur ces questions-là. Tout ce que je peux vous dire, par contre, c'est que si vous aimez l'androcentrisme, si l'androcentrisme, ça vous parle, si ce prisme masculin ne vous dérange pas, si le patriarcat, à la limite, vous le kiffez, bah, continuez d'utiliser le masculin, enfin, ça ne va changer pas. Comme ça, le prisme ne changera pas. Par contre, si vous pensez que ce prisme mérite d'être développé ou mérite d'évoluer dans quelque chose de plus juste, hein, c'est important, hein, parce que ce prisme, il est faux, hein, il nous fait voir le monde d'une manière qui est erronée, puisqu'on voit un monde où, avec plus d'hommes, donc c'est intéressant de comprendre aussi comme ça, sociologiquement, mais si vous pensez qu'il y a des choses à faire, alors là, il y a des choses à mettre en place. Et avant de partir dans des débats sur la question de l'écriture inclusive, sur la question du point médian, on peut en parler après si vous voulez, hein, parce que nous, on travaille beaucoup sur ces formes-là aussi. Mais de fait, il faut d'abord remettre le débat dans ce qu'il est, c'est la démasculinisation. Les outils qu'on utilise, l'écriture inclusive, c'est un terme pour tous les outils de démasculinisation. Tous les outils de démasculinisation. Alors, si vous le présentez à des amis comme ça, vous êtes au bistrot, faites attention de ne pas avoir des ciseaux dans les mains, les gens n'aiment pas beaucoup quand vous faites ça. Mais de fait, il faut replacer le débat là, c'est la démasculinisation, parce qu'on a vécu des vagues de masculinisation, et on est dans ces outils-là. Après, on peut discuter ensemble, de dire, dans ces outils de démasculinisation, quels sont les outils qui vont dégenrer, quels sont les outils qui vont reféminiser. C'est ça, et quels sont les outils qui vont nous permettre des représentations moins binaires. Ça, c'est une discussion, à mon avis, qui est très très constructive. Mais à la base, ne jamais oublier que finalement ce qu'on fait, et c'est ce que 50 ans de recherche a montré, c'est qu'on fait de la démasculinisation. Ça, c'est important de voir. Je remercie évidemment toutes les personnes qui ont travaillé sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, à qui je dis toujours faites attention aux photos que vous mettez sur Internet, parce qu'il y a toujours un collègue qui va les montrer après pour vous remercier. Et évidemment, comme c'est Noël, je fais quand même un peu mon marchand de tapis ici. On a écrit un livre pour essayer de calmer un petit peu les débats aux éditions de Robert, qui est un livre de vulgarisation, qui est un livre pour essayer de présenter tout ce que je vous ai présenté, mais de manière peut-être un peu plus ludique. Toutes les expériences, on les a transformées pour que vous puissiez les faire. Je parle toujours du bistrot, hein, au bar, vous puissiez les faire avec mon damoiseau aussi. Vous pouvez faire toutes ces expériences pour simplement commencer la discussion, mais de manière un peu plus sereine et peut-être moins émotionnelle qu'elle l'a été jusqu'à maintenant. Voilà, merci pour votre attention. Vous avez des questions ou des remarques? Oui, pardon. Je répéterai la question, pas de soucis. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Bon, je vais vous donner une réponse. Mais, pardon, non, je vais essayer de faire. Mais, bon, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que pour le genre grammatical, par exemple, vous êtes inanimé, il y a quand même là, il y a la controversie. On associe du genre, par exemple, une taille. Alors, les enfants le font, hein, c'est intéressant. Mais de manière générale, là, il est relativement arbitraire. Le problème avec ça, c'est que même si vous appelez KA, KB, vous allez quand même dire KA, tu l'utilises avec ces personnes-là. KB, tu l'utilises avec ces personnes-là.
en fait, il l'emporte sur le cas B. En fait, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer puisque le cas A va être associé à une partie de la population. Maintenant, pour aller plus loin dans ce raisonnement, on va suivre ce que la Norvège a fait dans les années 1980. La Norvège a décidé, alors, un petit peu comme le début de votre question, donc de dire mais pourquoi on a ce genre grammatical qu'on associe finalement à des êtres humains. En fait, la Norvège, dans Bokmål, a décidé de retirer le féminin. Donc en Bokmål, le féminin n'existe plus. Ce qu'on pourrait se dire, quand même, c'est assez violent symboliquement, parce que vous retirez finalement une partie de la population de la langue. Alors en même temps, en Norvège, il y a des choses qui se sont passées pour l'égalité. Mais ce qui est intéressant, c'était que l'idée là, c'était de dire que si on enlève le féminin, ou le KB, comme vous le dites, on enlève ce féminin, le A va être seul. Donc comme il est seul, il n'y a plus de contraste. Donc il va devenir, par définition, générique. Et c'était l'idée, en fait, de la Norvège. Alors non, on a testé sur des personnes qui n'ont jamais utilisé de féminin, donc des personnes qui sont nées après, en fait, finalement, ce changement. Et c'est assez intéressant parce que ce qu'on remarque, c'est que pour les termes, on a des effets de stéréotypes, comme en anglais, ou comme en finnois, par exemple, on pourrait trouver. Mais par contre, pour les termes sans stéréotypes, comme musicien, on a un biais masculin. Et on s'est posé la question, mais pourquoi on a un biais masculin? Et en fait, en Norvège, le Bokmål, c'est une des langues principales. Il y a une autre langue qui est minoritaire, mais il y a également plein de dialectes. Et les dialectes n'ont pas suivi, en fait. Dans les dialectes, il y a encore du féminin. Donc voilà, c'est une possibilité, en tout cas, qui a été testée dans le laboratoire norvégien pour essayer de faire un peu ce que vous dites, de dire on retire finalement cette notion de genre en enlevant un des deux. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en 1980, personne n'a proposé d'enlever le masculin. Ce qui est assez intéressant en soi aussi, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Alors, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, mais par rapport aux conséquences, il y a une question qui commence à se poser de manière assez cruciale, c'est l'apprentissage de la langue. Oui. Je vais répondre en deux temps. Le premier temps, donc la question c'est l'apprentissage. Est-ce que l'écriture inclusive va avoir un impact sur l'apprentissage? Je vais aussi vous répondre par rapport à la dyslexie, parce qu'on entend souvent beaucoup de choses par rapport à ça. Maintenant, par rapport à l'écriture inclusive. Juste, l'écriture inclusive, c'est tous les outils de démasculinisation. Donc, par exemple, si vous dites chers auditeurs, ça c'est masculin. Chères auditrices et auditeurs, là j'utilise une forme de doublé. Je reféminise ici. Si je veux utiliser une forme plus inclusive, je dirais vous qui m'écoutez. D'accord ? Vous qui m'écoutez, c'est la plus simple. Bien, les personnes qui sont là ce soir. Donc, ces formes-là d'écriture inclusive qui existent, qui vraiment existent, ont toujours existé, et ne vont poser absolument aucun problème d'apprentissage. Et la forme qui a été la plus testée, je ne vais pas vous mentir, c'est les doublets. Les doublets, même avec un accord de proximité, c'est celle qui a été la plus testée pour les enfants, pour les représentations. Les autres, alors nous on a testé des formes nominalisées en allemand, qui sont des formes neutres aussi, qui studieren donne, une personne en train d'étudier, alors nous on ne peut pas l'utiliser en français, parce que le participe présent est déjà joué, mais voilà. Donc on a testé ces formes-là pour les enfants, ça ne pose absolument aucun problème. Maintenant, les formes contractées des doublets, c'est ce qu'on entend par le point médian, bien le dire, c'est la forme contractée d'un doublet. Donc vous avez un doublet comme informaticienne et informaticien, et les gens du web et les journalistes ont demandé une forme qui leur permettait de réduire le nombre de signes. Cette forme-là, elle est très minoritaire en écriture inclusive. D'ailleurs, dans notre livre, on a 180 pages, il n'y a pas un seul point médian. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Maintenant, on peut se poser la question, si on l'utilise quand même, est-ce que ça va? Donc, si on dépasse les 10 à 15% d'utilisation de cette forme-là, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Et, je ne vais pas vous mentir, on ne le sait pas. On est en train de tester maintenant ces formes pour savoir, un, si elles ont un impact sur la représentation. Les premières données,
que ce soit en France ou en Allemagne, semble montrer qu'il y a un impact. Il y a un impact sur la représentation qui ressemble beaucoup au doublet. Mais bon, c'est une forme contractée d'un doublet, donc on pourrait s'y attendre. Après, c'est une forme où masculin est toujours en premier. Donc ça, on peut se poser la question par rapport à ça, dans la représentation. Maintenant, par rapport à l'apprentissage, ça, on ne sait pas. On ne sait pas maintenant quel va être finalement l'effet de l'apprentissage. Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais bien me tourner, si ça vous va, sur la dyslexie. Parce que la dyslexie, nous, on s'est dit, bah, allons-y, allons jusqu'au bout de cette réflexion. Ne nous arrêtons pas en disant ça va poser un problème pour la dyslexie. Et pour la dyslexie, on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qui va poser un problème dans toutes les caractéristiques existantes, fréquentes de la dyslexie? Et si vous regardez la littérature pour poser des hypothèses, nous c'est ce qu'on a fait, au début on était là, bon, on va faire une étude là-dessus, mais on va devoir poser des hypothèses. Et l'hypothèse, elle est compliquée parce que un des problèmes principaux de la dyslexie, de toutes les personnes qui souffrent de dyslexie, c'est la conscience phonologique. C'est le fait de voir frites, ça prend un T, mais d'accord, frites. Oui, frites, c'est très très facile pour une personne qui souffre de dyslexie. Oignon, c'est l'enfer. Parce que oignon, c'est O-I-G-N-O, d'accord? Et la personne, la conscience phonologique, c'est de dire oignon. Donc, si vous écrivez oignon, O-N-I-O-N, ce serait parfait pour la personne qui souffre de dyslexie. Alors, oignon, monsieur, oiseau, c'est l'enfer. Oiseau, il n'y a pas une seule lettre qui se prononce de la même manière qu'elle se prononce individuellement. Ok, ça c'est la conscience phonologique. Maintenant, étudiante.e. Bah, on peut se poser la question, en quoi étudiante.e va avoir un effet sur la conscience phonologique? Moi, je vois pas très très bien, en fait. Je vois pas très très bien, en tout cas, pour le problème numéro 1 pour les personnes qui souffrent de dyslexie. Alors, il y a d'autres problèmes. Par exemple, il y a la conscience morphologique. La conscience morphologique, et voilà pourquoi, parce que ça a un effet sur l'apprentissage. La conscience morphologique, c'est le fait de dire, quand vous lisez chanteur, vous voyez chanteuse, on va dire chanteuse au pluriel, vous lisez chanteuse au pluriel, on voit chant, euse, et le s. Donc chant, parce qu'on parle de quelqu'un qui est en train de chanter, euse, c'est une femme, et le s, il y en a plusieurs. Ça, c'est ce qui s'appelle la conscience morphologique. Cette conscience morphologique pose certains soucis à certaines personnes dyslexiques. Elle est souvent liée avec des problématiques de conscience phonologique, donc plus la conscience phonologique est problématique, plus aussi la conscience morphologique, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on peut se poser la question, étudiant.e, quel va être maintenant l'effet de cette rupture ici? Et cette rupture, probablement, va être un problème pour une personne qui n'a pas acquis la notion d'étudiante. Donc, par exemple, si vous avez auditeur.ris, si la personne n'a pas acquis auditrice, l'a pas vraiment intégré, auditeur.ris, ça va poser un problème. Parce que ce ris, s'il y a vraiment la coupure, qui va être facilitée hein, par le point médian, mais le ris ne va rien pouvoir dire parce que auditrice ne vient pas en tête. Donc il faut que probablement, c'est vraiment c'est une hypothèse, hein. À mon avis, il faut que la personne ait maîtrisé auditrice pour que auditeur.ris fasse sens. Mais ce qu'on peut dire, c'est que probablement plus tard, ce point médian va faciliter la conscience morphologique. Parce qu'en fait, vous mettez le point médian où vous voulez la rupture qui va permettre à la personne d'extraire cette partie de la morphologie qui va lui permettre de comprendre qu'on est en train de parler de femme aussi. Donc en fait, probablement que là, pour la conscience morphologique, il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans l'apprentissage où il faut faire attention parce que si l'auditrice n'est pas acquise, ça va être un problème. Mais une fois acquis, le point médian risque même d'aider la personne pour comprendre la morphologie. Je prends deux cas ici, parce que c'est les deux cas que nous, on est en train de traiter en plus d'autres, mais qui nous ont amené à dire, ah, peut-être en fait, ce n'est pas toujours un problème, mais ça peut être un problème d'apprentissage au départ, qui peut même faciliter après. Mais voilà, la question n'est pas aussi simple que alors là, je vais parler de la Suisse, hein, que la droite, que la politique de droite veut nous faire comprendre, surtout que c'est intéressant, parce que quand vous dites non à l'écriture inclusive, ça veut dire non aux formes contractées des doublets, souvent, mais non à la forme contractée des doublets, parce que c'est pas bien pour les personnes dyslexiques. Moi je dis, waouh, enfin la droite qui s'intéresse aux personnes dyslexiques, enfin la droite qui s'intéresse aux problèmes d'apprentissage, c'est génial. Mais alors qu'on vienne pas me dire que le i dans oignon, il faut le garder, quoi. Parce que ce i dans oignon, c'est le même que le i dans montaigne. Et ce i dans montaigne, on l'a plus, hein, on n'en a plus besoin. Mais oignon, alors vous voyez, il y a un double discours aussi par rapport à ça.
Mais moi, je trouve intéressant quand même d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Et sur l'apprentissage aussi. Donc typiquement, moi, si je parle à des enfants, ou si j'écris à des enfants, puisque parler, ça sert à rien, puisque la forme contractée d'un problème, vous ne pouvez pas l'exprimer. Mais si j'écris à des enfants, j'ai probablement les points médians, mais moi, je ne les utilise pas. De toute façon, mais très rarement. Et de fait, peut-être qu'il y a quelque chose ici pour dire, ok, c'est pas un souci plus tard, quand on maîtrise toutes les parties finalement du mot, mais pour un apprentissage, peut-être qu'il faut en faire un petit peu attention. Après, pour les personnes malvoyantes, parce que ça aussi c'est intéressant, pour les personnes malvoyantes, par rapport à ces formes contractées des doubleurs, j'espère que vous n'allez plus jamais dire écriture inclusive en pensant à ces formes contractées des doubleurs, mais les formes contractées des doubleurs, pour un logiciel de lecture à l'heure actuelle, il lit un trait d'union. Donc si vous faites un trait d'union, il lira étudiant, trait d'union, ça il le lira. Le point médian, pour l'instant, les logiciels ne lisent pas très bien. En même temps, moi je donne toujours cet exemple qui avait été donné par Raphaël Haddad aussi, c'est on est une époque où on envoie un robot sur Mars pour aller prendre des échantillons comme ça, et puis on analyse des échantillons depuis la Terre, et puis on utilise un joystick comme ça pour... Là, je me dis qu'un logiciel qui lira étudiante et étudiant quand il y a un point, ça ne devrait pas être si compliqué techniquement. Mais enfin, moi je ne suis pas informaticien, mais il me semble que même dans les bases de Basic ou de Pascal, de C++, ça serait même assez facile. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de la question parce que je sais que ces questions viennent souvent. Et je trouve que c'est bien de ne pas s'énerver, mais de dire bon, allons jusqu'au bout de la chose. Et pour la dyslexie, je dois avouer que les hypothèses sont assez difficiles à émettre finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Alors, oui, moi je l'utilise aussi beaucoup. J'utilise le point médian quand je veux aussi mettre un X. Ça, j'ai oublié de dire quand même. Moi j'utilise les formes contractées quand j'ai envie de exprimer la nominalité. Aussi, ça c'est vrai. Parce que la non-binarité, à l'heure actuelle, on peut lexicalement l'exprimer, on peut dire des personnes non-binaires, des personnes qui ne s'identifient pas, etc. Mais il n'existe pas de forme qu'on peut utiliser pour exprimer, à part ces formes contractées des doublets, où un X peut être inséré entre, moi je l'insère, entre masculin et féminin. Mais de manière générale, comme pratiquement tous les guides à l'heure actuelle, en tout cas en Suisse, mais en France aussi, il y a beaucoup de guides un peu qui vont dans ce sens-là, c'est qu'on favorise les outils dégenrer le texte, donc ne pas des reformulations pour ne pas exprimer le genre quand il n'est pas pertinent, ce qui est le cas dans 90% des cas. Par exemple, l'adressage direct pour une université, pour une institution, c'est très facile ça. Sur le site, au lieu de dire les étudiantes et les étudiants qui souhaitent s'inscrire, ou les étudiants qui souhaitent s'inscrire, vous dites si vous souhaitez vous inscrire, cliquez ici. Et ça, par exemple, à Lausanne, on avait essayé ça sur le site de l'université, il y a 70% du site qui change comme ça. En termes de marketing, de communication, pas dire marketing en anglais, de communication, c'est aussi beaucoup plus percutant en fait de s'adresser directement aux personnes qu'on a en face. Donc ça, c'est des formules qui existent. Mais de manière générale, c'est un exercice de français, on oublie parfois. Parfois, on aimerait bien qu'il y ait un outil sur Word, presse, écriture inclusive, puis boum, ça change le texte. Mais c'est un exercice de français. Donc, dans les premiers outils qui sont proposés, c'est la reformulation. Ensuite, il y a des outils de reféminisation. Utiliser les doublets avec les formes contractées. Eliane Viano, elle le fait beaucoup, en fait. C'est des outils qui existent. Il y a des questions qui se posent par rapport aux termes qu'on utilise. Par exemple, ma fille a toujours parlé de sa médecine. Donc elle va chez sa médecine. Je lui ai dit quand elle a commencé l'école de dire fais pas attention quand tu parles à ta prof de français. Mais quand même, une médecine, ça existait, en fait. Il y a quelqu'un récemment dans une présentation qui m'a dit qu'il était vraiment fâché par cette médecine. Il m'a dit qu'on ne peut pas utiliser ce terme. On ne peut pas utiliser une médecine parce qu'il est utilisé pour autre chose. Moi, j'ai dit, bon, si je vous dis que je vais chez ma médecine parce qu'elle va, j'ai mal à la gorge, vous êtes en train de vous dire, waouh, il va voir toute la science pour sa gorge. C'est incroyable. Après, je lui ai dit, mais vous allez, imaginez, vous allez au tribunal, vous avez un procès contre vous, puis vous arrivez avec un fruit, vous dites, voilà, je vais avec mon avocat. Ben non. Si vous dites je vais au tribunal avec mon avocat, les gens ne vont pas se dire qu'est-ce qu'il fait avec son fruit, ça ne sert à rien. Mais on a l'habitude de faire ça avec une médecine, ce n'est pas un problème. Après, il y a d'autres termes comme une entraîneuse, par exemple.
c'est intéressant une entrée de ça. Si vous, si vous mettez dans DeepL, dans DeepL ou dans Google Translate, en anglais, en premium, c'est coach. Dans les dictionnaires, maintenant, le Robert a changé. Donc avant, il n'y avait que la définition d'une femme qui pousse à boire un cabaret. Maintenant, il y a entraîneur-euse, donc entraîneur-entraîneuse, la personne qui entraîne sur un terrain. Et vous avez une autre entrée, entraîneuse seule, de la femme qui pousse à boire. Mais cette entrée-là, elle va disparaître à un moment donné. Elle va simplement disparaître quand on ne l'utilisera plus, on utilisera l'autre, beaucoup plus fréquemment. Donc voilà, les outils de reféminisation. Et donc ça, c'est une possibilité. Moi, j'ai toujours fait deux catégories. Une catégorie de neutralisation, de dégenrer le texte, et une catégorie de reféminisation. Dans la catégorie de reféminisation, moi, j'utilise les doublets, parce qu'ils ont été utilisés en français depuis tout le temps, en fait. Donc c'est pas un souci. Et j'utilise l'accord de proximité. Donc ça, c'est aussi important. Après, à vous de discuter dans une institution si vous voulez utiliser l'accord de proximité. Mais comme il a toujours existé, pourquoi pas? Moi, j'ai la co-actrice du Robert, elle était très contente que j'utilise l'accord de proximité parce qu'il est très naturel. Et il permet de ne pas devoir dédoubler l'adjectif de participation déterminant, ce qui est assez pratique. Voilà. Je donne un peu les longues réponses. Et je pourrais en parler des heures et des heures. Après, dans les institutions, moi, je me pousse à aller jusqu'au bout de la démarche. Le IEL, c'est drôle, le IEL. Moi, j'aime pas tellement l'IEL, parce que je le trouve très binaire à part ça. Moi, je préfère AL. AL, et puis, si ça vous intéresse, il y a une personne à la Sorbonne, linguiste, qui a écrit, qui s'appelle Alpheratz.fr. A-L-P-H-E-R-A-T-Z. C'est son nom, Alpheratz. AL utilise AL, qui est un pronom qu'on voit de plus en plus, et qui propose des réformes orthographiques qui sont, et grammaticales qui sont géniales. Par exemple, les accords de participe passé en EZ, IZ, UZ, au lieu d'accorder comme on le fait. Et ces accords ont existé dans des variantes de français, donc pourquoi pas revenir à ces accords-là. Et dans une institution, par exemple, ça peut être intéressant de tout à coup dire, nous on va utiliser aussi certains néologismes. Donc nous on teste, par exemple, ingénieur, ingénieur A-I-R-E. Ce qui est, moi j'aime bien ingénieur. Je me demandais pourquoi on n'avait pas un H, pourquoi ingénieuriste n'était pas venu en avant. Mais, parce que les istes sont souvent plus valorisés dans nos sociétés. Mais ingénieur, ailleurs, je trouve assez intéressant. Le même auditoriste, hein, qui est en fait qui est un néologiste, qui est venu des formes contractées des doublets. C'est assez intéressant. Vous enlevez le point médian, donc ça donne auditoriste. Et du coup, c'est aussi des termes intéressants qui permettent d'expliciter la non-binarité. Est-ce que les gens se représentent la non-binarité? Ça, c'est une autre question. Et pour l'instant, peut-être la société n'est pas encore prête à ça. Mais de fait, ça représente quelque chose de plus mixte. Peut-être encore de binaire. Oui? Donc ça devrait être plus courant, il faudrait que ça passe par une institution. Donc plus courant que donne l'équipe en neige inclusive par contre, je ne sens pas que ça se tente ça rentre en institution. C'est l'usage. Regardez Yale en Suisse dans les journaux, c'est le terme qui a été le plus utilisé cette année. C'est marrant, il y a une équipe à Zurich de linguisme qui chaque année qui publie les termes qui ont été les plus utilisés. Et Yel, c'est un terme qui a été le plus utilisé, c'est drôle. Mais c'est l'usage en fait. Et regardez le hen suédois. En fait, en suédois, le pronom, pour dire il, on dit han, et elle, on dit hon. Voilà. Et puis, en 2012, il y a un livre pour enfants qui paraît, Kivi und de Munsterhund. Je crois que c'est du suédois, hein, je sais pas, c'est probablement autrement qu'on le prononce, mais voilà. Et dans ce livre, il y a un personnage dont on ne peut pas dire le genre, en fait. On ne le voit pas, en fait. Et puis, Kivi, l'auteur et l'illustratrice utilisent hen. Et c'est un pronom qui avait été discuté dans les années 60 par les linguistes, mais qui n'était jamais sorti de la bulle académique, donc qui n'était jamais sorti de l'institution. Et là, il y a cet auteur qui utilise ça. Et en 2012, ça a créé un tollé incroyable en Suède. Donc en 2012, ma collègue Marie Gustafsson est allée dans la rue demander aux gens, sur une échelle de 1 je le déteste, à 7 j'adore, est-ce que vous aimez hen? Parce qu'il y a la discussion. Et en 2012, elle est à peu près à 2 et quelques. Donc les gens ne l'aiment pas. En 2015, elle le fait chaque année. En 2015, on est à 5 et quelques. Et c'est intéressant, maintenant, hen est devenu le troisième pronom officiel du suédois. Donc en fait, l'institution suédoise, qui correspond un peu à l'Académie française, mais avec des personnes de moins de 70 ans, elle a dû accepter à un moment donné ce pronom. Mais qu'elle ne l'accepte pas, ça change rien. Les gens l'utilisent, on l'entend même maintenant en Norvège. Donc en fait,
j'ai envie de dire, bah, très bien. Mais l'Académie française, on parle souvent de l'Académie française, alors je sais que je suis enregistré, il faut que je fasse attention. Mais de fait, vous voyez, le dernier dictionnaire de l'Académie il date de 1935. Donc il est obsolète. Quand l'Académie publiera le prochain, il sera déjà obsolète au moment où il sort. Les dictionnaires, c'est chaque année, avec des lexicographes, des spécialistes du langage. L'Académie n'en a pas. Donc, en fait, cette institution-là, en tout cas, elle ne sert pas à grand-chose. Alors, je reprends les termes de la LIA, j'ai un peu peur. mais quand même, l'Académie, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien parce qu'elle a eu comme mandat de parler également de la grammaire. Mais elle ne l'a fait qu'une seule fois. Depuis le début de son histoire, elle l'a fait une fois en 1930 et quelques. Et puis elle s'est fait tellement critiquer, elle a reçu une vague de critiques par les spécialistes, par les grammairiennes et grammairiens, qu'elle n'a plus jamais fait. Puis après, on pourrait se dire ces institutions, bah, comme l'institution suédoise, elles sont là pour un peu regarder les usages. Et on pourrait se dire la même chose de l'Académie, mais regardez l'Académie, ce qu'elle propose pour smartphone. Alors, moi, j'utilise encore, je disais avec ma fille qui est quand même marre, faisant la marre. Elle propose un terminal de poche. Vous voyez, dans 100 ans, on se dira, l'Académie, elle suivait les usages. Un terminal de poche. Moi, je le dis, TDP, pour être cool. C'est cool, en fait. Mais de fait, vous voyez, c'est ça aussi l'institution. En fait, c'est l'usage qui va dicter. D'ailleurs, autrice, c'est marrant, autrice. Il y a quelques années, autrice, les gens pensaient que c'était un néologisme aussi. Les gens disaient, c'est quoi, autrice? C'est moche, ça sonne bizarre. C'est d'ailleurs ce qu'on disait de sénatrice et de compositrice dans les années 80, enfin, les années 80, c'est ce qu'on disait aussi. Et puis maintenant, personne ne se dirait quoi que ce soit sur sénatrice, en fait, et compositrice. Donc voilà, c'est pour répondre à une réponse longue, mais pour dire quand même, c'est l'usage que j'ai dicté. C'est l'usage, et c'est pour ça que moi je pousse les institutions à dire, allez-y. Alors Neuchâtel, par exemple, l'université de Neuchâtel a tous ses textes de loi qu'au féminin. Il y a une petite note comme ça en bas qui dit « Ce féminin est le féminin universel. » Il s'applique également aux autres personnes qui ne se notifient pas féminin. C'était marrant parce que là, vous avez des hommes qui ont commencé à crier genre « Ah, quoi, on parle plus de nous, etc. » Et là, il y a des femmes qui ont dit « Bienvenue dans notre monde. » Mais voilà, c'est la seule institution que je connaisse qui a fait ça. Je crois qu'il y a une autre institution qui a aussi fait ça, mais c'est assez intéressant. Après, maintenant, dans les guides, on mentionne les néologismes, on mentionne les IEL. Après, les IEL posent plein de questions d'accord aussi. Hein, comment on accorde. C'est pour ça que je vous dis, allez regarder à Ferrat, c'est super intéressant. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Là, il y a plusieurs éléments de réponse déjà. Bon, l'anglais, c'est donc semi-genré, elle a fait une mue, hein, l'anglais. Le he, le they singulier qui a disparu au 19e au profit du he générique, c'était pour les mêmes raisons qu'en français, hein, c'était pour asseoir la supériorité du mâle sur la femelle. Donc ce il générique a disparu, mais maintenant en anglais, on ne dit plus jamais he au générique, on dit they, le they singulier est revenu complètement en force. Donc il y a eu une mue, il y a eu des changements aussi. Hein. Il y a eu même le Sexist Act dans les années 70 qui demandait ces changements langagiers en anglais. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que personne, mais personne, vraiment, je peux vous dire, personne n'a jamais dit que le langage allait révolutionner la société à lui seul. Personne n'a jamais dit ça. Jean Slavovitch, un linguiste français, a dit dans le Figaro « Écrire en écriture inclusive ne va pas empêcher un connard de battre sa femme ». Mais j'ai envie de dire, l'égalité salariale non plus. C'est pas pour ça que je ne vais pas travailler sur l'égalité salariale. En fait, c'est bizarre, c'est l'argument de l'homme de paille, en fait. C'est utiliser l'exagération pour essayer de descendre, finalement, l'argument de l'écriture inclusive.
Donc l'écriture inclusive va participer au prisme masculin, mais il y a d'autres choses qui doivent venir en Finlande. L'égalité n'est pas là non plus, évidemment. Il y a d'autres choses qui doivent se faire en parallèle. Et le langage, on le sait, nous offre une manière de voir le monde qui est fausse, qui est faussée par rapport au masculin. On le voit sur les offres d'emploi, on le voit sur les enfants. Les données existent, ça change. Mais par exemple, nous, nos données, on voit que utiliser les doublets, ça va augmenter la perception de succès des femmes, mais ça n'augmente pas au point d'arriver à 50-50. Donc il y a autre chose, évidemment. Et tout le monde l'a toujours dit, il y a autre chose. Nous, on travaille, par exemple, dans les écoles aussi sur les stéréotypes, parce que les stéréotypes vont de pair avec ces changements langagiers. Mais c'est ça qui est important. C'est que s'il y avait une mesure qui permettait de résoudre les problèmes d'inégalité, franchement, ça se saurait. Et ça n'existe pas seul. Donc toutes les mesures doivent être prises. Et puis, même, imaginez, on utilise IEL. On l'utilise pendant un moment. Des personnes se sentent bien parce qu'elles peuvent utiliser ce pronom-là. Ça ne change pas toute la société. Mais ça ne fait rien. Vous voyez, la personne qui n'utilise pas IEL, ça ne va pas du tout y changer la vie. Ce n'est pas un problème. Donc en fait, c'est ça aussi. À un moment donné, il faut aussi remettre un peu les pendules à l'heure, comme on dit chez nous. Mais de fait, c'est important de faire attention à ce débat, à ce discours-là, à ce tableau-là, parce que c'est vraiment l'homme de paille ici. C'est que, bah, évidemment, ça ne va pas tout changer. Vous voyez, le Japon n'a pas de genre grammatical. Le Japon n'a pas de genre grammatical, mais c'est une société très très genrée. Et c'est même une langue très genrée. Donc les femmes n'ont pas, sur certaines formulations, elles n'ont pas le droit de formuler quelque chose, une idée de cette manière-là. Elles doivent utiliser une autre formulation, qui est confondue évidemment avec le statut social. Donc vous voyez, il n'y a pas de genre grammatical au Japon, mais ça fait rien. C'est quand même une langue genrée. Et puis du coup, on va travailler là-dessus. Et c'est ça qui est important, à mon avis. Mais j'entends aussi souvent cette question-là. Je me dis, bah, c'est souvent des personnes qui essayent de... qui sont pour le status quo. Après, on peut se poser, hein, il y a des recherches maintenant, on peut se poser la question, il y a des recherches, et il y en a de plus en plus, on en a relancé quelques-unes aussi, sur comprendre qui sont les personnes les plus réticentes, et quelles sont les problématiques. Et typiquement, ce status quo, qui vient du conservatisme, est souvent... un argument, ou bien en tout cas un trait des personnes qui ne veulent pas ces changements engagés. Voilà, une longue réponse pour pas. Désolé. S'il n'y a pas d'autres questions, ben merci pour votre attention. Je reste un moment si vous voulez venir poser vos questions, si tout à coup vous étiez trop timide pour les poser pour les autres. Mais merci en tout cas pour votre attention.